30 000 mètres carrés de commerce sont en jeu. Une fois enterré, parfois ressuscité, le projet de village des marques à la Valentine connaît des rebondissements. Hier, le groupe Frey a gagné le bras de fer en obtenant son feu vert en commission départementale d'aménagement commercial pour la création d'un nouveau pôle sur ces terrains qui ne portera pas le nom de village des marques. Robert Assante, le maire, y est toujours farouchement opposé. On l'écoute au micro de Marguerite Kiok. Ah, je ne pensais pas que la CDAC donne aussi rapidement, aussi spontanément, avec une telle majorité, une autorisation d'implanter une unité commerciale de 30 000 m² dans une zone qui est déjà largement pourvue. Une autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial ne veut pas dire validation de tout le projet. C'est la ville de Marseille qui reste, qui a la haute maîtrise sur son permis de construire. J'ose espérer qu'on ne le donnera pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit dans une disposition d'esprit différente de celle concernant le village de Marc, où je vous rappelle, le préfet avait arrêté la procédure en disant qu'il y avait un espace inondable qui ne permettait pas le développement de cette unité commerciale.